Angels fans. La comète du destin est une étoile qui sillonne le ciel. Une étoile qui, chaque fois qu'elle passe, change le cours de l'histoire pour toujours. Si les démons avaient gagné, les anges auraient disparu et la Terre serait devenue maléfique pour toujours. Mais si les anges avaient été victorieux, nous, les démons, aurions dû disparaître. Fantômeville, ça me dit rien qui vaille. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais je n'ai pas peur. Je dois intervenir avant que Katrina ne fasse une bêtise. Doucement, il n'y a pas le feu. Où je vais trouver un sandwich, moi? On n'est pas vraiment pressé d'entrer là-dedans, hein? Pourquoi? T'as la trouille, hein, à vous. Qui, moi? Elle a raison, mais jamais je ne l'admettrai devant ce petit ange. Je n'ai peur de rien, moi. Et si tu le dis? Gaz, du calme. Il ne s'est rien passé. Et heureusement que t'avais pas peur. C'est pas ça. C'est ce maudit flash qui m'a rendu aveugle, alors... Où est-ce qu'on est? J'en sais rien. La maison a dû nous emmener dans une de ses pièces. C'est exact, Mickey. Qui es-tu? Je suis toi, bien entendu. T'es tellement laide. Tu peux parler, même mince, t'es moche. Surveille tes paroles, mon gros. Faites attention, les jeunes, on est à Fantômeville au cas où vous ne le seriez pas. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, tout ce que vous devez faire, c'est résister. Résister à quoi? À la maison, bien sûr. Celui ou celle qui restera le plus longtemps fera le premier pas vers Katrina. Trop facile, elle a peur de son ombre. C'est bien toi que j'ai entendu crier. Pas vrai? Ne vous battez pas! Bientôt vous allez crier tous les deux comme des poules mouillées! Continuez, professeur! Ne nous laissez pas sur des charbons ardents, racontez-nous la fin! Qu'est-il arrivé exactement quand la comète du destin est passée? Qui a gagné cette guerre interminable? Personne! Personne? Mais comment? C'est impossible! Sulfus a raison, professeur! Vous nous avez dit que la comète désignerait le vainqueur, non? C'est vrai, Kabalé. Ça m'ennuie de voir que vous êtes tous très attentifs. Moi aussi, je suis désolée, mais avec une histoire aussi captivante, c'est impossible de se laisser distraire. Maintenant, vous allez nous raconter la fin. Mais je vous l'ai dit, personne n'a gagné. Quand la comète du destin est passée, le conflit était loin d'être terminé. C'est pourquoi l'histoire a basculé dans une longue trêve. Pourquoi tu restes collé à moi? Qu'est-ce que tu t'imagines? Pour rien? T'es mort de trouille. Non, c'est pas vrai. Et d'abord, je peux pas avoir peur de ces tableaux. Je suis un démon. Les vampires, j'en fais mon petit-déj. Gas, à ta place, j'y toucherai pas. Ah bon? Et pourquoi? Il va faire quoi? Me mordre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? On ferait mieux de sortir de là tout de suite. C'est toi qui déclenches les problèmes et j'en subis les conséquences, merci. De rien, garde tes compliments pour plus tard. On est piégé. J'avais remarqué. Fais quelque chose. Attention. Pouvoir, écran. Pour l'instant, on est à l'abri, mais ça ne va pas durer longtemps.
Il faut se débarrasser de ces chauves-souris, à toi de jouer. Ah, j'ai une idée. Bouge-toi le nez. Quoi? Bouge-toi le nez. C'est parti. Oh, pouvoir toxique. Gaz, t'es dégoûtant. Arrête, tu vas me faire rougir. Bon, je crois que t'as réussi. Tu vois, Gaz n'a peur de rien. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh. Oh. Le sol. Il s'effondre. C'est comme si la maison toute entière était aspirée vers le néant. Heureusement, on peut voler. Une tornade. Elle nous entraîne. Sers-toi de tes ailes au lieu de te plaindre. C'est ce que je fais, mais j'arrive pas à voler. Ah, il a raison. Nos ailes sont trop petites pour résister à ce tourbillon. Hein? Quoi? C'est vrai? Alors qu'est-ce que tu attends? Montre-moi. Ouais. Depuis quand on utilise les pouvoirs de notre mascotte? J'en sais rien, mais je trouve que ça tombe à pic. T'es pas de mon avis? Salut, Gaz. Bah, trop à toi. Sauve-toi la vie. Oh, merci. J'en étais sûr. Aïe, ça fait mal. Ça va pas, Gaz? Tu as l'air patraque. Vas-y, rigole. T'as peut-être gagné le défi, mais compte sur moi pour que Katrina fasse les 400 coups avant le retour des parents. Permets-moi d'en douter, gros lard. En attendant, le premier pas est pour moi. Vous avez compris maintenant? Hélas, oui. Étant donné que ni les anges ni les démons ne parvenaient à gagner cette guerre, ils ont décidé de faire la paix avant le passage de la comète du destin. Oui, pour éviter que les uns ou les autres disparaissent pour toujours. Ni gagnant, ni perdant, en quelque sorte. Je suis vraiment déçue. Je m'attendais à ce que le professeur Cubral ait battu ces petits anges de rien du tout. Je sais que le général Cubral était opposé à la paix. Tout comme notre professeur Cassidy, mais ce sont les hautes et les basses sphères qui ont tranché. Et les deux généraux ont été démis de leurs fonctions. Vous voulez dire, ils ne faisaient plus partie des armées diaboliques et angéliques? C'est un peu ça, oui. Mais ce qui compte surtout, c'est que les conséquences de la paix ont conduit à la naissance du veto. Je sais que la règle dit que ni les anges ni les démons ne doivent se toucher ou se gêner. Oui, c'est exact, Aurier. Les hautes sphères et les basses sphères ont décidé que le veto serait le meilleur moyen d'empêcher les guerres à l'avenir, et pour ne pas l'oublier, ils le firent graver sur la balance du destin. Où est cette balance? Personne n'en a entendu parler. Pourquoi? La balance du veto a été forgée dans un matériau indestructible, puis enfermée dans un temple inaccessible à tous, aux anges comme aux démons. Mais pour la suite, il va falloir patienter jusqu'à la prochaine fois. Non, professeur Omnia, nous voulons savoir où est cachée la balance du veto. Oui, comment on trouve cet endroit s'il est inaccessible? On dit inaccessible, Dulce. Et ne vous inquiétez pas, l'année commence à peine et nous allons la passer ensemble. Je vous raconterai tout ce que vous devez savoir. Maintenant, je vous propose d'aller prendre l'air et de vous détendre un peu. Ça vous dirait d'aller donner un coup de main à Mickey? Ça, c'est une bonne idée. Je me fais beaucoup de soucis. Katrina est vraiment en colère. Et je peux la comprendre. Ses parents les ont oubliés, elle et son frère. Attends, Mickey, tu veux dire que tu as peur qu'elle fasse une bêtise seulement pour se venger de ses parents, c'est ça? Exactement. Elle a déjà dépensé beaucoup d'argent en sucreries et... Et alors, qu'est-ce que tu as contre les sucreries? Rien du tout, tant qu'on n'exagère pas. Je peux avoir une eau de glace? Ah, bien sûr, tu as bien le droit. Viens, je vais t'acheter. Ça fait déjà la troisième. C'est ça qui m'inquiète. 3, 4, 20, je vois pas où est la différence. Nous, on la voit, sur ton ventre. Occupe-toi de ton nombril, petite fleur. J'ai une information pour vous, vous nous dérangez. Mickey a gagné le défi. Elle a le droit de faire le premier pas vers Katrina. Et alors, qu'est-ce qu'elle attend? Les anges, avec moi! Sylphus a raison, je le crains. Tu ne peux plus attendre, tu dois y aller. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne vois pas comment convaincre Katrina d'attendre sagement le retour de ses parents. Eh bien, il faudrait pouvoir détourner son attention pour qu'elle oublie ses idées de vengeance. Elle doit penser à autre chose. Faut que ce soit amusant. Mais oui! Je dois la distraire. T'es un vrai génie, Dulce. Je me demande ce qu'elle prépare. Ah. C'est parfait! Personne ne me verra à l'intérieur de cette cabine d'essayage. Lula, à qui?
Vive la métamorphose! Je dis et je protège, avec amour, sincérité et sagesse. Quitte le monde des esprits et deviens humaine. Quel parfum te fait envie? Je peux choisir n'importe laquelle. Bien sûr. Aujourd'hui, on a de la chance. On n'a ni papa ni maman pour nous dire ce qu'on doit faire. Tour de magie, illusion, vous allez être épatés. Oh, magicien, génial. On peut rester pour le regarder? Si tu veux, mais tu sais bien qu'on est toujours déçus. Tu connais des tours super? Oui, je ne suis qu'une débutante, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Tiens, vas-y, mets ta main à l'intérieur. Il est vide. Vide? Tu en es certain? Oh, c'est incroyable. Oh, il a raison. Non, je vous l'ai dit, je ne suis qu'une débutante. Je m'entraîne beaucoup, parce que j'aimerais monter mon propre spectacle. Et c'est bien pour s'entraîner, le centre commercial? Ce n'est pas suffisant. Je fais aussi des spectacles gratuits à domicile. Ça vous dirait? Si j'arrive à la convaincre de m'inviter chez elle, ça va être super facile de la garder sur le droit chemin. Ouais, alors ça, ce serait génial. Tu vas pas me faire croire que t'aimes ces trucs de môme? Hé, hey, c'est mon tour. Ne t'approche pas de Katrina. Comment tu connais mon nom? J'ai entendu ton petit frère t'appeler tout à l'heure. Oublie un peu la magicienne. Moi, j'organise des fêtes démentes. Des trucs de grands, mais si t'es trop jeune... Hé, hey, je suis pas un bébé, mon pote. T'es sûr? Alors prouve-le. On va chez toi et j'organise la fête. Oh, pardon, il faut sans doute que tu demandes la permission à papa et maman. Non, j'ai besoin de la permission de personne. J'ai perdu. J'aurais dû comprendre que Katrina n'est plus une enfant. Mais ce n'est pas encore une femme. Alors elle est quoi? Juste une adolescente. Comme tous nos humains, l'adolescence, c'est l'âge le plus difficile et le plus compliqué. C'est l'âge où ta raison te dit une chose et ton cœur tout le contraire. Angels Fans. Angels Fans. Angie Town. Cité des anges.